Au bout de l'effort, le réconfort. Après plusieurs mois de formation au centre de référence Caprice Perle, elles ont réussi avec brio à l'examen national pour l'obtention du certificat de qualification au métier CQM. Pour couronner cette belle réussite, elles sont à l'honneur ce jour pour recevoir leur parchemin de fin de formation en joaillerie, art, décoration, make-up, esthétique, maquillage et autres. Je rends grâce en premier lieu à Dieu Tout-Puissant qui a permis que la présente cérémonie ait lieu. Ensuite, je tiens à dire à chacun et à tous, merci d'avoir répondu à mon invitation et celle des quatre récipiendaires. À vous, heureuse du jour. Je dis donc félicitations pour avoir eu la bonne idée d'apprendre un métier pratique et pour avoir eu la détermination d'aller jusqu'au bout. Merci à vous et à vos parents pour avoir fait confiance à notre centre qui n'est plus à présenter en matière de formation au Bénin. Spécialisée dans la conception des bijoux et divers objets d'art et utilitaires qui servent dans la vie quotidienne, Caprice Perle mise sur la créativité pour faire de son activité une véritable filière économique pour l'émancipation des femmes. Caprice Perle, ce sont des centaines, je dis bien des centaines de femmes formées à travers diverses initiatives. Donc, celles baptisées « Femme, lève-toi ». Et prends en main ton destin. Désormais outillés pour faire valoir le savoir-faire dans le secteur de l'artisanat au Bénin, ces quatre récipiendaires sont célébrés pour leur choix à se prendre en charge par l'apprentissage d'un métier pratique. De sa passion un métier, c'est le credo de Caprice Perle et les récipiendaires sont heureuses d'avoir tenu le pari. Il faut noter que Caprice Perle dispose aujourd'hui de deux centres de formation, un à Zogbo et le second à Dekoumbe, avec des formations qui couvrent tous les métiers de femmes et de beauté. Sa directrice Prisque Rouanou Houtondji est par ailleurs la présidente de l'Association nationale des travailleurs de Perle, ANTP-WEFA.